IGA, écoute, chez IGA, cette semaine, ben, il y a le poulet frais entier. OK, à 1,79 la livre, ou si tu préfères, 3,95 le kilo. Ça, en bas de 4 piastres, tu sais, c'est le prix qu'on cherche pour le poulet entier. Si on peut l'avoir encore moins cher que ça, c'est bien, mais quand même, à ce prix-là, c'est vraiment un bon prix quand même. Pour s'en faire des réserves, là, parce que c'est son prix normalement. Je vais te le dire si vraiment, là, ben, tu verrais dans la circulaire, papa, si vraiment c'est le spécial effrayant, mais c'est un très bon spécial, je peux te dire ça. Aussi, chez IGA, qu'est-ce qu'on trouve? Ben, écoute, les crevettes d'Argentine. Moi, j'aime bien cette petite crevette-là. C'est super. Il y en a de différentes grosseurs. Mais tu sais, j'aime la marque. J'aime. C'est des... Parce qu'on dirait qu'elles sont pas cuites. Elles sont roses. Tu as les crevettes blanches, les crevettes grises, les roses. Celles-là sont roses. T'sais? Mais on dirait qu'elles sont crues. Mais en fait, on dirait qu'elles sont cuites plutôt, mais elles sont crues. C'est des paquets de 340 grammes, des 20-40. Donc, 20-40, tu as des grosses puis des moins grosses, on pourrait dire. Hein? C'est ça. T'sais. Bon, ben quand même, à 6,99, ça peut te faire quand même un beau petit sauté aux crevettes avec ça, c'est super. Fait que sont différentes un peu. Dans un sauté, c'est moins grave que quand on fait, je sais pas, mais des crevettes papillons. On ne veut pas une grosse, une petite crevette. Mais quand on fait un sauté avec des légumes et tout, ben, c'est pas grave d'avoir une de petites crevettes plus grosses, tu sais, dans ce sens-là. Mais quand même, écoute, à ce prix-là, c'est un bon prix pour cette crevette-là. Ça, c'est certain, puis c'est chez IGA que ça se passe. Aussi, qu'est-ce qu'on se trouve chez IGA cette semaine? Ben écoute, le filet de morue. Vraiment, c'est la meilleure place cette semaine pour le filet de morue. Il est 7,99 la livre, ou si tu préfères, 17,61 le kilo. Ça, c'est vraiment, enfin, c'est un petit poisson blanc. C'est le poisson blanc que je préfère parce que c'est lui qui est le plus ferme de la gang. Hein? Ça, c'est sûr. Ça, on compare avec l'aigle fin, c'est l'antipode, où il se défend en flocons tout seul. C'est dur, là, de quasiment de la retourner de bord quand on fait cuire un filet d'aigle fin, tellement ça se défait facilement, ou du sol, là, qui est plus mou encore. Mais en tout cas, le filet de morue, c'est un très bon prix à ce prix-là. Puis, pour faire cuire ça, ben écoute, c'est simple, simple, là, hein? On met ça. Tu l'assèches bien comme il faut là, avec un Scott Towel, quelque chose de papier absorbant ou un petit linge que moi j'utilise réutilisable là, pour aspirer toute l'eau que je peux avoir dans mes fruits de mer, poissons et tout. Donc, tu aspires l'eau en premier de ta morue, puis par la suite, ben, tu le mets dans la farine. Hein? Farine, œuf, ça peut être juste ça, là. Farine, œuf, puis après ça, tu la mets dans la farine ou tu la si t'as pas tu peux le mettre dans un panko, tu peux le mettre dans une petite chapelure italienne, tu sais, ça dépend de ce que tu veux faire. Moi, normalement, j'ai une petite chapelure italienne ou le panko, fait que je le mets dedans. OK? Puis, tu le mets dans l'huile, là, tu mets un fond d'huile dans ta poêle, puis tu le mets à peu près maximum 2 minutes chaque barre, maximum. OK? Je te dirais même qu'une minute, une minute et demie, ça peut faire la job, là. Mais bon. Si tu veux l'avoir bien cuit, là, je te dirais que 2 minutes chaque bord. Merci, bonsoir, avec un petit peu de sel, du poivre là-dessus, puis tabarnouche, avec un petit riz, un petit légume, puis hein, t'as vraiment un souper de roi. Puis santé, hein, c'est du poisson, du vrai poisson frais. Écoute, des idées, il y en a plein comme ça, tu peux voir sur Internet, mais l'important surtout, c'est que tu saches que c'est là le filet de morue qui est le moins cher cette semaine. Fait, écoute, c'est ça qui est ça pour IGA cette semaine, mais comme je te dis, dans la circulaire, si tu t'abonnes à la circulaire, papapapa, tu vas voir le reste de la liste là, que j'ai faite pour ce qui est de IGA. Okay? Je t'invite à t'abonner à la circulaire de Papa Popote pour vraiment voir là, pour quelques sous par semaine. Écoute, déjà, là, ma circulaire pèse à peu près entre 10 et 14 pages, tout dépendant des semaines, puis dans tous les aliments que tu retrouves là, c'est des aliments que j'ai identifiés moi-même de chez IGA, Maxi, Métro, Provigo et Super C. Tous les rabais que tu vois dans le ma circulaire, c'est des rabais de entre 25 et 75 % du prix régulier en partant. Puis l'information que tu as nulle part, hein, ça, je te le répéterai jamais assez, c'est que tu vas savoir si le spécial que tu vois cette semaine, c'est le meilleur qu'on a vu des 30 derniers jours ou des 3 derniers mois. Puis ça vaut juste ça vaut le prix de la circulaire de Papa Popote, je te le garantis. Fait, écoute, sur ça, je te souhaite bien sûr une belle journée, hein? Une belle semaine, bonne semaine. Pis surtout, je t'envoie un beau bisou de Papa Popote. Tiens. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo de Papa Popote.